Et coucou tout le monde, bienvenue sur Just Cause 3, bonjour, j'espère que ça va, tranquillement. Je vais juste voir si je peux baisser un petit peu le son parce que j'ai peur qu'il soit trop élevé par rapport à justement le record. Donc on va faire une base qui m'a été conseillée par Monsieur Ethan. Mon petit doudou d'amour, voilà, qui m'a conseillé parce que il y a une belle surprise à la fin. Il m'a pas dit quoi, justement. Bah, c'est pour ça qu'on va y aller. Donc, du coup, bah, Just Cause, c'est quand même plutôt beau graphiquement. Hein, là, je suis à 100% au niveau de toutes les côtés graphismes. C'est super beau. On peut voir les ombres au sol. Ça, c'est super cool. Actuellement, mon GPU est des 70% d'utilisation. Mais c'est cool. Cependant là, ah oui d'accord, c'est ici. Bonjour. Du coup on va aller capturer une base qui a l'air quand même assez pété. Donc tu tires sur quoi? Ah oui d'accord. Je me disais mais merde, il tire sur quoi ce con? Donc j'espère qu'en tout cas ça résonne pas trop au niveau de la pièce. J'ai déménagé, j'ai la fibre demain à l'heure que je recorde. Ça va être cool. Donc si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce jeu, dites-le moi, comme ça je pourrai en faire. Coucou, c'est moi. Oh, il y a un pont. Ah, c'est cool. Hé, attends. Ah oui, c'est pas mal aussi. Oui, c'est cool. Donc, du coup, au niveau de Just Cause, ça a quand même pas mal changé. Je pensais qu'il serait peut-être mieux un côté gameplay version... Bah version comment dire oh, tu vas le lâcher toi. Non mais oui, couché, voilà. Donc ce que je disais, c'est que gameplay en fait il est sympa, sauf que il manque quelques petits programmes de droite et gauche, programme de aspect du jeu en fait. Ah, s'asseoir à la mitrailleuse, ok. Et hey, tu viens toi? Non, tu t'en tapes. Par contre, t'étais bien, hein, mais... Oh, je crois que je suis pas le bienvenu ici. Non, t'es pas le bienvenu. Par contre, j'ai... Voilà, je vais tout faire péter. Comme ça, personne pourra venir. Non, mais... Bah vas-y, tire-moi dessus, toi, je te dirai rien. Bonjour. Hop. Bon, en tout cas, il est quand même bien, Just Cause, hein. Franchement, je redoute un petit peu le démarrage du jeu, mais il faut vraiment prendre main au niveau des contrôles. Ce que je trouve con aussi, c'est que le mode retour, c'est sur contrôle, c'est pas sur échappe. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont chié un peu dans la colle. Ce genre de choses, les touches sont assez bizarres par rapport aux deux. Quand vous avez vraiment l'habitude du 2 en fait, il est vraiment bizarre hein, au niveau des contrôles, ce genre de choses. Mais sinon, ça va, on s'y fait quand même assez vite. J'ai déjà plus de 20 heures de jeu dessus. Je l'ai reçu pour moi hier ou avant-hier, je sais plus. Et du coup, bonjour. Entreprise de nettoyage. J'espère que ça va aller pour vous. Je fais juste un petit mélange de tout ce qui va bien. Au revoir. Voilà. Point de vue des autorités. D'accord. Attention les yeux. Ah bah c'est des renforts en route. Fuck. Je répète, rejoignez ces coordonnées. Oui, rejoins-moi ces coordonnées. Bon, niveau des munitions, c'est plutôt cool. Il manque quand même des petites choses. Ah putain, c'est un ennemi. Je croyais que c'était un casque bleu pour moi. Bon, allez, hop. Sinon, point de vue de la vie, il est quand même assez grand, la vie. Assez grande, la vie, plutôt. Cependant, il n'y a pas de jauge de vie. Je trouve ça un peu con. Il manque... Ok, si tu veux. Il manque, en fait, une carte in-game qui manque quand même pas mal. Ah putain, fais chier, deux secondes près quoi. Hip hop poop, On va te coucher toi. On a besoin de...
Non, tu n'appelles rien. Ils ont popé où ces cons parce que... Comment là-bas il... Non, bon, bah d'accord. Des fois tu comprends pas ce qui se passe parce qu'ils pop de n'importe où, tu sais pas d'où, mais plutôt c'est cool. Alors là, au niveau de la base en fait, où j'ai commencé, on a commencé ici, j'ai contrôlé tout avec Ethan au fur et à mesure. Avec... Je peux pas le contrôler avec parce qu'il n'y a pas le mode multi. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas plus mal finalement parce que ça vous permet en fait de comprendre le jeu. La manière. La manière qui se joue, ce genre de choses, c'est plutôt cool en fait, mais bon, ça manque quand même un petit peu de multijoueur. Est-ce qu'il viendra après avec la communauté? Ça serait peut-être bien de mettre ça en des serveurs qui sont compétents. On verra bien. C'est quand même cool. Du coup, on va ici. Et une fois qu'on a contrôlé là, je m'arrêterai sans doute de la vidéo. Donc elle peut durer 25 minutes ou 30. Et puis j'irai défoncer en face. Hein, pour avoir un petit peu du gameplay avec vous. Alors, me demandez pas un LP dessus parce que niet. C'est plus un côté fun que de faire ça, que faire vraiment une série dessus. Mais ma foi, si vous voulez des vidéos dessus, vous pouvez me le demander. Bonjour! Oh, ça a l'air fat. Déjà, je vois des mecs au lance-roquettes. Salut, toi! Tu te permets deux secondes? Alors, attendez, au niveau de la route, j'étais sur la route. Ah oui, ça permet d'accéder à l'autre. Oh, ok, bah, c'est cool! Alors, bonjour! Je fais mes petits trucs. Point de vue des autorités. Alors, ok. Allez, donnez tout ce que vous avez. Oui. Voilà. Allez, on fait tout péter. Ah oui, les explosions sur ce jeu, c'est de la bombe. Franchement, ils ont très très bien travaillé la zone d'explosifs. Et franchement, c'est super cool. Le mode où tu permettais de prendre un mec et de l'éjecter quand vous êtes au grappin, je trouve ça fun aussi, franchement. Ça peut vous sortir des galères par moment. Donc c'est plutôt un bon point. Donc, par contre, au niveau de la visée, c'est un petit peu de la merde. Bon, lui, il faut en mettre des tonnes et des tonnes. Voilà. Mais sinon, dans le principal des cas, c'est que... Oh putain, c'est fat la base. C'est quand même plutôt bien, hein, franchement. Rien à redire sur ce point. Après, je l'avais déjà dit, mais gameplay, j'aime bien aussi. Il y a le système de tour là-bas. Après, viser. Oui. Voilà. Hop. Il y a le... Il y a ceci en fait qui est des anti-aériens, donc ça vous vise si vous êtes à une portée. Cependant, vous pouvez le pirater pour qu'il soit à votre charge en fait. Et du coup, en fait, tout hélico qui voudra venir dans une zone précise par lui se fera défoncer la face. Alors, il y a aussi ceci que j'aime bien, c'est la petite bonbonne. Et oui! D'accord. En fait, normalement, elle devait décoller. Mais elle est partie un petit peu sur le côté. Tant pis. Je ferai en sorte qu'il y ait une autre bonbonne quelque part. Pour vous. Alors. Oh, on me tire dessus. Ah, salut toi. Tu viens d'où? Hein, tu viens d'où? Oh, c'est plutôt fat, hein. Oh. On va commencer par l'antenne longue radar. Ouais, ça passe. Pylône de l'antenne. Et on va commencer par ceci aussi. Explosion. Genre ça... Non, c'est pas ça. Waouh. Grosse explosion. Aïe, 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 aïe. Je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, ces cons là. Mais... Hop, et... Hop.
Ah d'accord. Alors du coup, on va faire ça. Alors il faut, c'est bien un petit côté quand même de mettre des grappins, mais c'est quand même mieux d'en mettre plusieurs. Pourquoi? Parce que ça permet de forcer la zone. Voilà, et comme ça, ça s'écrase de partout, c'est cool. Et c'est super sympa. Bon, y a-t-il autre chose? Oui, il y a un autre missile anti-aérien là-haut. Et qui permet de faire ça. Hop là. Ah, il y a une autre bonbonne. Est-ce qu'elle permettra? Oui. Voilà, vous faites ça, vous attendez et... Une étoile filante. Voilà, je trouve ça classe. Bon, et toi je te pirate, comme ça tu seras pour moi. Vas-y, apprends déjà à tirer. Hein. T'es à côté, t'arrives même pas à viser, toi, boulet. Donc, on va continuer du coup. Tiens, viens là toi. Voilà. Non mais. Sinon il y a les mines là qui sont déjà illimitées, donc je trouve ça vachement pété pour ma part. Mais c'est plutôt cool, donc c'est des gros panneaux solaires. Hein. Mais bon, il n'y en aura plus très bien pour longtemps. Et du coup, bah, tiens, je vais faire péter aussi la bagnole parce que je trouve que ça c'est classe aussi. Hop, on va mettre ça. Et du coup, on est juste appuyé. Voilà. Et quand ça pète de partout, je trouve ça classe, ça fait des grosses explosions. Pouf! Non mais... Bon, il était mort, mais bon. Oh, le faisceau vert, c'est pas bon en fait. Le faisceau vert, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une... Un lance-roquette. Voilà. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va accrocher comme ça. Voilà. Et voilà. Hop. Genre c'est pas parti. Putain, c'est qui me tire dessus? Ah d'accord. Non mais... Liberté! Libéré! Je m'en tirerai plus jamais. Libéré. Délivré. Voilà. C'est cool. Je m'éclate. Bon. Est-ce qu'il y a un autre ego? Non, il n'y a pas d'ego. Bon, tant pis. Hop. Alors, je trouve ça un petit peu dommage. C'est qu'au niveau du grappin, en fait, que ça soit pas non plus... très très grand au niveau de la distance. Je trouve ça dommage par rapport aux deux qui étaient plutôt pétés quand même. Mais non, c'est quand même dommage. Ouais. Et puis il n'y a pas un mode de zoom. Ouais, tu m'étonnes qu'il avait aucune chance. Y a pas vraiment méthode de zoom pour comme on faisait sur Flash Code 2. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est la vie. Oui. Ou sinon, on pouvait faire ça. Oui. Voilà. Bon, normalement, il aurait dû décoller, mais... Raté. Ah si, touché. Vas-y, tire-moi dessus. Oui. Moi aussi, j'ai visé. Sauf que moi, j'ai un roquette en plus. Hey, pas touché toi. Oui, je sais que normalement on peut utiliser autre chose que ça. Oh, ça pète bien par contre. Ah d'accord. J'ai rien fait. Hein. Ah, pour une fois c'est moi qui a rien fait.
Ça a pété, mais c'est moi qui ai rien fait. On va te coucher. Ah d'accord. Ah oui, ça c'est cool aussi. Bon, par contre, ça fait une chute de FPS monstrueux. Mais je trouve ça tellement classe. Oh, une tôle. Bon bah voilà. On fait sauter le gros maintenant. Voilà. En plus, ça vous fait des points. C'est cool. On envoie du lourd. Oui, envoyez du lourd. Envoyez du lourd, moi je pirate ceci pour que ça soit à moi. À moi. À moi. C'est à moi. Oh c'est cool, c'est super beau en tout cas. Alors, un petit transfo. Oh là là. Hop, parfait. On va mettre une petite mine. On va mettre une petite mine. Oh putain, ça c'est pas cool. Et on va mettre une petite mine là. Et quand on va appuyer, ça va faire boum. Voilà. Oh, ça a l'air d'être un gros truc ici. Une grosse fusée. Alors, hop, on va monter là-haut. Oui, on pourra pas monter en bas, je sais. Oh, putain. Excellent. Oh, c'est quoi ça? C'est un point de commande? Oh putain! Il y avait un truc de, au sol, donc c'était généralement un mauvais truc. Qu'est-ce que c'est pour que ça nous tire autant? Non. Ok. Alors, généralement, si c'est ça, c'est soit un hélico, oui, soit un char, c'est pas mal aussi. Bon oh bah c'était un char. On a des troupes au sol prêtes à t'aider. Prépare leur la zone. Bah la zone est prête. Pareil. Eh, coucou mec. Oui, j'ai un char à moi, j'ai un char à moi. J'ai un char à moi. Bon, par contre j'aurais bien voulu avoir autre chose pour moi mais... Ah j'adore le char, c'est fou. Ça par contre tu vois, je ne sais pas ce que c'est. Les marques au sol, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, je crois que j'ai dégagé le terrain. Ah mais non, j'ai pas ouvert la porte. Et du coup, je ne sais pas du tout pourquoi on me vise. C'est moi qui flambe. Ah non. Ouais, bah du coup, je ne sais pas pourquoi on me tire dessus. Voilà. À mon avis, c'est un missile air-sol, solaire plutôt. Mais je ne sais pas pourquoi on me vise. Pousse-toi, toi. Ah, dégage. Ah, il faut que j'ouvre la porte, je crois, pour qu'il passe. Bon, on va ouvrir la porte. Hein. Oh putain, j'aime bien quand ça pète de partout. Tiens, je t'écrase, ça va encore mieux. Oh putain, mais ça pète de partout. En fait, j'ai vu un requête passer, je crois. Et je suis pas du tout sûr. Hmm.
Bouffe. Alors du coup, il nous demande de... d'ouvrir ceci. Voilà. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Parce que je vais vous ouvrir la porte. Je crois qu'ils sont morts en fait. Ok, bah tant pis. Où est-ce qu'on va? Tiens, on va aller là, un petit coup. Voilà. Oh. Ah, c'est toi qui me faisais chier. Tiens. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon quand ça pète de partout. Ah bah j'ai 100%. Ah oui, cool, maintenant, oh, l'urgain. Ah, ça c'est cool la livraison de ce truc. Crash Prairie. Bon après vous avez des quêtes plus ou moins qui passent à côté donc. Donc voilà. Bon oui, sur ce, je vais vous laisser les gens. Je vais aller faire une autre mission avec vous. On va aller du coup là-bas, là-haut. Il y a des belles choses à faire. Et puis on va y aller en tank, hein, en tant qu'à faire. Puis voilà. Bon allez, sur ce, bisous. Bonjour. Notre bon général a cru comprendre que d'accord. L'émetteur de Chimaleon provoquait des interférences chez certains d'entre vous. Alors, il a décidé de le faire détruire. Ainsi ah d'accord. Que sa base. C'est bien parce qu'ils racontent tellement de pipeaux, les gens. Si vous, vous avez l'impression que ces annonces ont tendance à se multiplier, vous avez tort et vous feriez mieux de garder vos commentaires pour vous. Quelle est la situation? Voilà, allez, sur ce, bisous. Je vous fais tous sauter. Voilà.